Bonjour à tous. Voici mon épisode 3 de Star Wars Jedi Fallen Order. Donc voilà, tout est prêt. On va continuer tout de suite. On en était où? J'étais sur la planète. On venait de partir de Kashyyyk. Et on était retourné sur la planète. La deuxième planète qu'on avait faite. Qui était la planète et j'ai oublié le nom. Ah, je suis où là? Ah oui, on est arrivé, hop, et on est arrivé là, et il faut aller là-bas en bas. Merci BD. Là, c'est fermé. Si je dis pas de bêtises, faut descendre là. Il faut aller par là-bas. Donc... Ah oui. Attaque neutralisée. Incapable. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué donc. Alerte système. L'intrus esquive les assauts. Ok, j'avais esquivé. Je me débrouille un peu mieux. Une tyrolienne, ça te tente? Ah, on va améliorer mes BD. Qu'est-ce que ça donne? On doit pouvoir atteindre le tombeau. Ah, ça c'est génial. Maintenant, je peux utiliser la tyrolienne dans les deux sens. Ici, je peux pas passer. Et j'ai envie de dire, tout ça pour ça. Allez, BD. C'est parti.
Comment il fait pour tout bloquer? Allez-y, vous! Je passe à l'attaque! Je crois... Ça s'est pas passé exactement comme j'avais prévu. Hein? Ah, je peux interagir avec l'ascenseur. Mais on va aller voir par là-bas d'abord. Je peux même remonter là-bas. C'est bizarre. Je vais clairement aller voir par là-bas. Et oui, souvenez-vous, on était tombé sur des traces de quelqu'un qui avait tué avec un sabre laser. Hop, raccourci. Comment on appelle ça? Le pouvoir fort, mais ça marche pas. J'avais plus de force, je crois. Je crois que ça marche avec la force. Le coup avec... Par contre, c'est cool, ça m'a gardé ma porte ouverte. Affronte-moi, traître. Je suis là.
L'ouvrier a laissé ses outils. Il avait espéré trouver les reliques, mais il se souciait peu de l'aspect historique. Ce Jedi n'est qu'un vestige de la guerre des clones. On finira par l'avoir. S'il a survécu aussi longtemps, c'est qu'il est doué. Ou qu'on l'aide. Peu importe, on vient de voir. Faire comme ça. Ça sert à rien. Alors, allons voir ce qui se passe ici. Bah rien. D'accord. Bon, bah on progresse. Ça, c'est une corde à débloquer, mais je sais pas comment on fait. Ah. Comme c'est prévisible. Oh oui, je connais ton nom, ton passé, mais je connais surtout un certain Enno Cordova. Dis-moi, où a-t-il caché cet holocron ? Incroyable. Très bien. Tu n'esquiveras pas la suivante. J'ai enduré bien pire que ça. Je vais le faire aussi, hein, mademoiselle. Je
Viens, Steam. Quelle lenteur. Tu es sûr d'être un Jedi? Tu ne pourras pas toujours fuir. Tu ne fais rien. Aide-moi, Billy. Un Steam BD. Non mais... Que dirait Jaro Tapal s'il pouvait te voir en ce moment? À un moment donné, faut que je puisse attaquer. Tu auras été un échec jusqu'au bout. Askrim BD. Comment ça m'énerver? Toujours fuir. Aïe. Bien joué. Tu progresses. Pas aussi doué que l'ancien apprenti de Serré, mais pas mal cependant. Quoi, t'as pris des notes? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Serré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvée. Si elle n'avait rien dit, elle m'a abandonnée. Tu es Trilla. En chair et en os. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi. Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Tu as vraiment envie de t'y risquer? Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. Elle a coupé ses liens avec la Force. Oh. Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'Holocron? Qu'en penserait Jaro Tapal? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Je me demande. Que dirait-il s'il pouvait voir son padawan aujourd'hui, rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse, lui donnant accès à une légion entière de pauvres disciples dociles? Je ne laisserai personne les toucher. Je disais la même chose avant. Elle est forte! Elle est forte, elle essaie de lui monter la tête. En même temps, c'est leur boulot. Et allez, encore de la glissade. Putain, les mecs ont développé une mécanique qui... Oh là là! C'est mon jeu qui a fait ça. Merci pour le coup de main, BD. Tu m'as sauvé la vie.
Et tu nous as rapprochés du tombeau. J'allais dire j'ai failli perdre contre elle, mais j'ai perdu clairement. Et clairement trop forte. Comment c'est frustrant de. Tu lui mets des. On l'a trouvé. Tu lui mets des coups. Il a l'air, ça a pas l'air de. Différent de l'autre tombeau. J'en sais rien. Mais ça me plaît pas. Tu lui mets des coups, ça a pas l'air de lui faire quelque chose. Bon, on va pas dire que c'est un problème de level design, hein, de. On va juste dire que. Oui, cet endroit est gorgé par la force, donc c'est normal que. Il y ait des choses qui l'évitent. J'ai trouvé, mais serré. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que c'est une menteuse. Toi, comment? J'ai détourné vos communications dès l'instant où tu as essayé de la contacter. Le piratage de transmission codée a toujours été un de ses passe-temps préférés. Elle m'a montré comment faire. Il n'y a pas une seule technique de serré que je n'ai pas perfectionnée. Ouais, j'ai pas compris en fait. J'ai appuyé sur le bouton pour m'accrocher, mais je crois que je me suis accroché à la mauvaise paroi. Voilà. Allez, jeune Padawan. C'est tellement serré que son corps passe à travers la texture. Ouais, je. J'ai fait n'importe quoi.
Allez. Ce coup-ci, on le... Je sais plus, j'ai un coup où je peux esquiver, mettre un coup de pompe, mais... Alors, le temple. Ah oui, la boule est cassée. Mécanique. Tu n'as plus beaucoup de temps. De temps pourquoi ? Mes éclaireurs ont découvert un artefact intéressant au fond de ce tombeau. Je l'étudie en ce moment même. Il m'apprend ses secrets. On dirait que Cordova les aimait bien, ses effets. Peut-être au point de cacher l'holocron parmi leurs dépouilles. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Oh, le manipulage. Ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? On a trouvé quelque chose. Nouvelle peinture pour le Mantis. Une relique des Effaux.
Je ressens une grande vanité et de l'extravagance dans cette période de leur histoire. Ont-ils été tués par leur propre vanité? L'ennemi est au-dessus de nous! Bien, j'ai compris! Je savais qu'il prendrait la fuite! Il va trop vite pour nous! Allez, Jedi! Non, non! Alors... Ouais, c'est gorgé par la force ici. T'as trouvé quelque chose ? Les cierges. En avant, BD. Eh, BD, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, BD? Ce matériau de sabre laser. Mon ami, j'ai fait une découverte troublante. Je ne peux pas l'utiliser, je n'ai pas le pouvoir. Donc on va essayer de trouver un autre endroit. Ouais, je ne peux pas le couper. Cela reste en bas. Non, j'y crois pas. J'y crois pas, quoi. En fait, je suis descendu. Attends, j'ai un peu. Attends.
ils doivent pas se mettre dans des trous ou des machins. Attends, je suis descendu. J'aurais peut-être pas dû descendre. Truc à mettre ici. Ouais, il y a un truc à faire ici. Ici, il n'y a rien à récupérer. Ça, ça s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Merde. Bah oui, forcément. Il fallait que j'interagisse. C'est compliqué. De quoi ai-je besoin? Jamais à passer ce gouffre. On fait demi-tour et on prévient les squads. J'ai là.
Oui, non, mais ça, c'est normal. C'est complètement normal que je fasse ça. D'autres soldats pénètrent dans ce tombeau à chaque seconde qui passe. Tu as peur de m'affronter toi-même? Si ton droïde n'était pas intervenu, je t'aurais tué sans aucun effort. Laisse tomber, BD. N'écoute pas ce qu'elle dit. Bah, elle avait complètement raison. Elle m'aurait tué. Même bien, même. Bah dis donc, j'ai bien fait de venir ici. Ah, gouré de bouton. Impossible de l'atteindre. Comment t'arrives ? BD, lance-moi un stim. Je te revaudrai ça. Alors, je peux aller en face. Non, je peux pas aller en face. Non, clairement pas. Ah, ça y est, c'est fait. Il avait raison. C'est quoi, un inquisiteur? Je te vois, Jedi. L'ennemi est vif. Les attaques sont pathétiques. Arrête, arrête, arrête.
m'aider, BD? Il y a quelque chose là. Comment on fait pour y aller? On va arrêter de faire ça. Je crois qu'il y a une ouverture sur le côté, mais... On sait quel côté. C'est quoi ça? Hop, pour revenir là? Ouais bah non. Oui, je sais, je fais n'importe quoi. Imagine les artefacts que l'Empire aurait manqué sans ton intervention sur cette misérable planète. Est-ce que ça en valait la peine? Il paraît que le projet Foreuse vous a coûté cher. Des Stormtroopers et des ouvriers. Rien d'irremplaçable, en somme. Tu es un monstre. Je suis ce que Céré a fait de moi.
C'était là, ça? On rappelle même plus. Non, je pense pas, hein. Parce que sinon, il m'aurait pas fait faire le tour. Il aurait fait ça tout de suite, et puis... Ah tiens, de la glissade, ça fait longtemps. Je ne suis pas. Vous avez vu ça? Attrapez-le. Tiens, bon. Je vais pas tout faire moi-même. J'ai rapporté l'artefact à mon vaisseau pour l'analyser. Dommage que tu sois arrivé trop tard. Peu importe ce que tu as volé, tu ne le comprendras jamais. Mais toi, oui. Tu le sauras bien assez tôt. Je vais prendre le risque. Ouais, les mecs ont deux mécaniques, la glissade et le fait de faire passer dans des crevasses.
J'ai remarqué quelque chose en examinant ce sarcophage. Il est plutôt pratique si on a besoin de se débarrasser d'un indésirable. Tu m'as attiré ici. C'était ton plan depuis le départ ? Tu n'es vraiment bon qu'à trier la ferraille. Comment voulez-vous qu'on arrête un Jedi, de toute façon ? Tu veux te mesurer à nous ? Ça me saoule, je joue comme une merde. Ça m'énerve, c'est le jeu est beau au niveau du level design et tout ça, c'est... Le fait de fouiller des temples et tout ça, c'est génial. Et puis, je foire au niveau de... Oh là là, je me gourde au bouton, putain. Mais fuck, quoi. Et au point de vue du combat, bah, je suis nul. Utiliser la force. Padawan, où est la force? Elle est partout. Elle est en moi et autour de moi. C'est exact. La force te connecte. Il peut
peut arriver que tes émotions, ta peur ou ta fatigue te trompent. Tu te sentiras seul, isolé. Ce n'est qu'une illusion. Ton sabre laser est ici, hors de portée. Mais vous restez quand même connecté grâce à la Force. Ressens cette énergie qui t'enveloppe et saisis-toi de ton arme. La Force est en toi, autour de toi. Elle te lie à ton arme. Libère-toi de toute distraction. La Force est avec moi. Elle nous connecte. Oui, je crois. Tu as survécu. Ça perturbe tes plans? Heureusement, je prévois toujours une... marge d'erreur. Non, faut pas que je fasse ça quand même. Non, faut pas que je fasse ça. Là, c'est pas possible. D'accord, c'était comme ça.
suis gouré, c'était ça. Alors. C'est trop côté obscur, ça. Bon, bah maintenant que j'ai appris une nouvelle mécanique, on peut s'en aller. Ok, note à moi-même, faut pas le faire avec ça. Le Jedi est là! On dirait qu'il en a eu assez! Non. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. Tu peux rien, contre nous. À votre tour d'attaquer! Lance-moi un Steam BD. Bien joué. Poursuivez-le! Attention!
Quelqu'un prenne le relais. J'arrête de faire souffrir. On t'éliminera. Ma main ne va plus en bas. Arrête de fuir. Contemple la puissance de l'Empire. On a le dessus. Les Jedi doivent tous périr. Oh purée de pommes de terre. Ça va pas. Ça va pas. Kungus, plante intelligente, hautement explosive. Je pourrais l'éliminer tout seul.
C'est quoi ce délire? C'était une offrande aux sages enterrés ici. À l'époque, c'était un objet précieux. Ouais, faut que je monte. Mais c'est pas là pour monter. Je je veux bien, mais où est-ce que ça s'accroche? Ah! Yeah.
Attends, il y a un souci là. C'est pas possible, c'est pas possible. Salut Darkmiss, désolé, j'avais pas vu. C'est juste que là, je suis en train de mourir en boucle, alors ça me... Pour des conneries en plus. Pour des conneries. Mais non, oh putain, ils m'ont remis là, quoi. J'aurais dû réactiver l'autre. Ah ouais, toi aussi t'as des soucis. Suivez-le. Allez-y. Lance. J'ai eu.
été rapide, mais je t'aurai quand même. Voilà le genre de boulette que je fais, je sais pas, je veux trop attaquer, ou je prends pas assez mon temps.
Comment je peux faire? Faudrait que je coupe l'eau. C'est pour ça que je peux pas le faire sur le... Ouais, non, ça marche pas. Ah, quel con! Alors le voici. J'ai enfin mis la main sur une représentation Oula parfaitement intacte de l'artefact sacré des Éphos. Mon ami, regarde c'est ça. Chez moi, c'est... Voici Mithril au sanctuaire de Pogano. Dans sa main, on remarque un objet. D'après cette illustration, je pense que l'objet permet à un utilisateur de la force de percevoir les mystères du sanctuaire. Un frise, je dirais. C'en est le guide, de... ainsi que la clé. L'astrium des Éphos. Mais qui voudrait détruire ces représentations et pourquoi? Je dois creuser davantage. Cependant, je connais l'étape suivante. Trouver un astrium, s'il en existe encore un. Un astrium. Tu sais de quoi il s'agit? Moi non plus. Mais une clé... Ça, je sais ce que c'est. Je crois qu'on sait ce qu'on doit trouver. Ah bon? Bah moi, je sais pas. C'est beau ici. Lance-moi un Steam BD. Je vais peut-être faire ça.
posé. Alors par là il y avait quoi? Ah bah voilà, il y a une caisse ici. Ça faisait longtemps. T'es un petit curieux, hein? Ok, BD, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Nouveau matériau. Pour le poncho. Non mais faut qu'ils arrêtent, je croyais qu'ils avaient fait des vrais vêtements. Les mecs, ils me font un poncho, quoi. C'est bon, je suis pas un Mexicain. Je te remercie, Padawan. Tu as dégagé le passage. De quoi est-ce que tu parles? Je voulais l'accès au tombeau. Et maintenant que j'ai ce que je veux, tu ne me sers plus à rien. Ben oui. Tu peux annuler ce qu'elle a fait? Merci. Espérons que ce nouveau cryptage nous débarrasse d'elle. Processeur de droïdes sondes. Ça fait quoi de pirater d'autres droïdes? Ouais, ça me ferait bizarre de pirater des gens. Mais c'est pour la bonne cause, pas vrai? Ouais! Ça c'est cool, on va pouvoir prendre le contrôle des droïdes. On devrait prévenir le Mantis. Trilla les a certainement repérés. T'es sûr que la radio fonctionne? Ils ne répondent pas. Quelque chose cloche. Il faut qu'on les rejoigne. Comment ça, retourner au Mantis temple, c'est pas ça? Personne à l'horizon. Tu penses que c'est un piège? Ça ne serait pas le premier piège dans lequel on tombe. Attends, t'entends ça? Il sert à quoi l'ascenseur là? Je sais même pas où il est le vaisseau. Bon, bref. Ah, il y avait quelque chose là-dedans. Regardez! Avec plaisir! Et vite ça! Allons-y, BD. Pirater la porte?
Ça a l'air si facile. J'aurais peut-être pas dû le tuer, c'est un nouveau. Impériale a caché une relique de valeur ici. Elle avait espéré obtenir les faveurs de l'empereur, mais ses manigances l'ont rendue imprudente. Ça a l'air bizarre, je sais pas trop où je vais, mais bon. On verra bien. Les capsules de style... Ah oui, d'accord. On va prendre ça. Ça peut toujours servir.
BD, tu penses pouvoir charger ça ? Nous trouvons infligé d'importants dégâts aux cuirassés séparatistes. Malheureusement, notre vaisseau n'a pas été épargné. Malgré les dégâts, je suggère que nous poursuivions. Ensemble. Vous savez que je ne suis pas du genre à me défiler. BD, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, BD ? Je suis perdu, là. Putain, t'es à côté du temple, mais ouais, je vais retourner au vaisseau. Mais attends, c'est bon quoi. Allez, réapparition. M'énerve ça. Hey, BD.
t'amuses bien, BD ? Alors, comment on fait pour aller chercher le truc là-haut ? Super. BD, t'as un truc pour m'aider ? Des patates et tout. Douleur infligée. Lourds dégâts infligés. C'est fini. Probabilité de mort. BD, Steam. Non mais dis donc. Tu crois que tu peux m'aider, BD ? C'est sympa, mais ça se passe pas trop mal, hein. Mais oui, comment je fais pour bloquer la porte ? J'aurais besoin que tu cherches ça, BD. Ah. Ça va, commandant. Où est Marcef ? Où est mon padawan ? Mes hommes sont en train de fouiller l'épave. On le trouvera. Je reçois une transmission. C'est sûrement l'escouade. Non, une minute. C'est le chancelier suprême.
Ah oui. Ouais, bah c'est pas comme ça que je vais retrouver comment je fais pour rentrer chez moi. Ah, Marcel le Padawan. Alors, comment on fait pour rentrer à sa maison? Moi, ma maison, elle est là. Et je dois aller... Je sais pas comment... Je sais pas par où je dois aller. Par là. C'est bien gentil, mais je suis... Attends, mon but c'est d'aller ici. Donc, il faudrait que j'aille ici. C'est bon là. C'est ici. Si je dis pas de conneries. Ah d'accord, on peut pas appeler l'ascenseur. Bon, on va passer par là. Comment ça éveille? C'est quoi ce délire? On est en prison? C'est quoi ce délire? Non, j'aurais pu l'aider. J'aurais pu l'abattre. Où est-ce qu'on est? Putain, le tas m'a chopé, elle m'a one shot. BD1? Je suis dégoûté. Mon pote, tu te caches où? BD? Ok. Il faut que j'arrive à sortir de là. Ok.
quel que soit cet endroit. Ok. 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 Non, c'est pas ça. C'est un câble électrique, ça ? J'ai plus mon sabre laser. Et ça, ça sert à quoi ? Il y a quelque chose ici. Ah bah voilà. Ça a marché. L'air est froid. Rance. On doit être en profondeur. Ils m'ont enfermé et pris mon sabre laser. Il faut que je le récupère. Qu'est-ce que je fous là, en fait ? On est dans un vaisseau là, non ? Il s'est passé un truc. La porte s'est ouverte.
Voyons si je trouve un moyen de sortir d'ici. Attends, l'autre, ils me disent oui, rendez-vous au vaisseau. Je vais au vaisseau, je tombe sur un mec, un truc bizarre. J'ai l'impression qu'on m'observe. Je peux te dire, mon gars, que c'est pas qu'une impression. De la grosse caméra qui est au-dessus de la tête, là. Y a quelqu'un ? Vous voulez de l'aide ? Quoi ? Sork Tormo ? Je vois. Ça a l'air d'aller. Ça me plaît pas. Bizarre, pourquoi ils m'ont mis ma barre de vie ? Tout en sachant que je n'ai pas de sabre laser. Je ne peux point me défendre. Ah là 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 là. BD1, c'est toi ? Te voilà. Est-ce que ça va ? On va te sortir de là. Comment ça ? On va te sortir de là ? Je veux bien, mais où tu le branches, ça ? Je sais pas, j'aurais ici pour ouvrir la porte.
Ou un truc comme ça. Et me voilà de retour en prison. Je suis content de te voir aussi. Laisse-moi t'enlever ce boulon d'entrave. Crétin. Pauvre droïde. Il faut qu'on sorte d'ici ou on finira comme eux. Ouais, il y a pas mal de droïdes. Allez, ne traîne pas. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Allez, on se casse. BD, il faut qu'on arrive à passer. Merci, BD. La sortie, elle est en haut. Ah, ok. Ah, moins que... Il y a du courant maintenant. Ah oui, il faut que je reprenne le courant. La matière grise. On dirait bien qu'il y a quelqu'un finalement. Eh, mais je le connais, ce groupe. Je crois que je vais affronter des monstres dans une arène. Vous êtes qui, au juste? Tu veux savoir? Je suis Sartormo, mon petit. Je suis le chef des opérations. Tu pourras remercier Grisy, c'est grâce à lui qu'on se rencontre, toi et moi. Je le ferai, dès qu'on sera sortis d'ici. Nous accueillons un combattant très spécial pour vous ce soir. Un représentant d'une époque révolue à jamais. Un Jedi! Voyons ce qu'il a dans le ventre. C'est de l'action que vous voulez? Je vais vous en donner de l'action. Ah, ça fume l'argent et l'hémoglobine. Ce soir, nous rendons hommage à ces vaillants guerriers tombés au combat et aux sacrifices qu'ils ont faits. Nous rendons riches.
fait mal. C'était pas sa langue que je voulais attraper. Pauvre Jedi! Ça ne va pas durer éternellement. Tu as décliché le truc. Et si tu descendais pour venir m'affronter en personne? Je suis trop occupé à compter mes crédits. Ouais, t'as raison. Il parle beaucoup trop. Regardez-moi ce Jedi. Offrez-lui un peu d'action. Attention! Ah, ça, c'est ce que j'appelle un combat. Équilibrons la donne avec quelque chose de plus vilain. Oh, c'est plus trash que la saison des amours sur Galva Strike. Toujours gagné. Ce gamin est incroyable. Ah d'accord. On était là dans un instant. Hey, Grise, t'es célèbre par ici. Ouais, des affreux, pas vrai? Ils empestent l'huile de module. T'as l'air d'aller bien? Oui, mais on aurait pu se passer de ça.
Une chance qu'on t'ait trouvé. On pourrait bien avoir d'autres ennuis. L'Empire a appris pour l'Holocron. C'est pas bon. Toute la mission est compromise. Et j'ai eu une discussion avec la deuxième sœur. Trilla. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit... Elle m'a dit que vous l'aviez livrée à l'Empire. Est-ce que c'est vrai ? Elle dirait n'importe quoi pour faire échouer la mission. Est-ce que c'est vrai ? C'était mon apprenti. Avant la purge. Vous auriez dû me le dire. On a reçu un message crypté. Ça vient de Kashyyyk. Ça tourne en tout sur trois planètes, c'est quoi ce délire ? Marie. Karl, on a trouvé Tarful, et il est d'accord pour te rencontrer. Mais ce n'est pas tout. L'Empire a réussi à nous déloger de la raffinerie. So a dû s'enfuir de la planète. Certains d'entre nous ont rejoint les Wookiees dans la forêt. Sois prudent. Toi aussi. Plus tard. Plus tard. On a une piste. Ok, tout va bien. Et tout va très bien se passer. Hé, petit gars. Hé, lève-toi debout. Faut qu'on cause. Quoi ? Faut qu'on cause. Je sais pas trop ce qui se passe entre vous deux. Enfin, j'imagine que ça doit être un truc de Jedi. Mais si tu veux mon avis, c'est pas le bon moment pour... Ça te regarde absolument pas. Bah, je suis absolument pas d'accord. On est tous dans la même équipe, pas vrai ? Hé, Karl. J'ai commis une erreur. Et ça t'a presque tué. Je regrette. Peut-être qu'on fait tous des erreurs, hein ? Peut-être que toi, non. Tu devrais être un peu indulgent. Je te dis pas de faire ça pour moi, mais tous les deux, vous êtes vraiment ce qui m'est arrivé de meilleur. Avant que vous débarquiez, tout ce qui m'importait, c'était d'avoir une main du tonnerre. C'est ce que disent les joueurs. Je sais ce que ça veut dire. La vie, c'est pas un jeu. Je ne m'intéressais qu'à moi avant que vous arriviez dans ma vie. Et au Paris. Je suis plus le même. Alors, on va aller planter des graines. Enfin, je crois que j'en ai. C'est sympa comme souvenir de nos aventures. On va essayer de faire un peu le sabre laser, on va voir ce qu'on a débloqué de nouveau. Toujours pas de cristal.
Cordova avait des réserves cachées sur tout Bogano. Nous devrions y retourner pour vérifier. Mais non, on doit aller voir Tarful. Tu sais, même avec tout ce que vous me faites vivre, je frissonne toujours devant un bon match. Oh, tant que tu ne retombes pas dans tes travers. Oh ça, non, t'inquiète, je suis juste spectateur. Pas de paris ou de trucs dans le genre. Tu es sûr? Sûr, c'est pour la beauté du sport. Rien de tel que de regarder deux grosses brutes échanger des coups. Cette agilité, cette force brute, yeah! Ouh, ouh, ouh. Capitaine, je suis assez perplexe face à ton penchant pour une chose aussi... primaire. Non, oui, je sais, c'est vrai, oui. C'est drôlement primaire, mais bon... c'est divertissant. Hé, petit gars, assieds-toi, on y est. Kashyyyk! Je suis occupé. Je dois décider quoi cuisiner. Plus tard, Cal. Désolé. Bah alors ne faites pas genre, on peut lui parler. Joycic et Marie ont marqué ton point de rendez-vous avec Tarful. Contente de te voir sain et sauf. Désolé de vous avoir fait attendre, mais je n'ai pas abandonné Kashyyyk. La situation est grave ici. Esso est déjà reparti. Les pertes sont hélas trop grandes. Non. Si vous partez, les Wookiees sont perdus. Pas tous. Marie est restée ici avec Joycic et Tarful. Une partie de nos troupes les accompagne. Et toi ? Ma fille a déjà perdu l'un de ses parents. Je ne peux pas rester, je dois partir. Mais avec les autres, nous trouverons un autre moyen de servir la cause. Bonne chance, Myrianna. Marie m'a dit que vous étiez débordée. J'imaginais pas que c'était à ce point. C'est toujours aussi grave avec l'Empire. Mais tu as encore une chance d'accomplir ta quête. Je reviendrai vous aider. Tu en as déjà fait beaucoup pour nous. Merci, Cal. Et oui, puisque maintenant je peux remonter les trucs. Un poste de patrouille abandonné. Attention, cette zone est dangereuse, BD. Ah putain, je suis débile. Tu crois que tu peux m'aider, BD ? Ah, c'est toujours tout droit. Je
Mais non, je voulais pas me reposer. C'est pas grave. Je reviendrai quand j'en aurai deux. Ce que t'as trouvé. Nouvel émetteur obtenu. Voyons voir ça. Nouveau matériau. Jedi, attaque avec prudence. Tu peux pas vaincre l'Empire. T'es presque mort. BD, lance-moi un signe. Merci, BD.
Patrouille à la base. J'ai trouvé quelque chose, on dirait une sorte de toile. Et qui est là ? Allez, va jeter un œil. Qu'est-ce que c'est, BD ? J'esquive trop tôt. Un jour tu croises un Jedi, tu changeras peut-être d'avis.
Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme compétence? J'avais dit ça. J'ai de la chance de t'avoir, BD. Cal, tu me reçois? Ferré m'a envoyé ta fréquence. Marie, est-ce que ça va? Je vais bien, contrairement à beaucoup d'autres. Est-ce que Myriana t'a indiqué le point de rendez-vous? Oui, oui, je suis en chemin. Parfait, on vient d'y arriver, mais on n'y restera pas longtemps. L'Empire est à nos trousses. Je vous rejoins dès que possible. Bon, bon, on est arrivé. Reste près de moi, BD. Ces trucs ont l'air rapides. Ah !
fait voir ça. Qu'est-ce que c'était ? Amical. Je trouve que c'était pas très amical. Et on est parti. Alors. Jedi. Je suis tombé. N'aie pas peur. Je me sens pas bien, BD. Marie, tu m'entends? Je suis presque aux terres d'ombre, devant l'épave d'un marcheur. So a réussi à en abattre un pendant sa fuite. Il est avec toi? Non. Plus maintenant. On en reparlera quand il sera là. Vite, finis ses hommes! Non mais c'est dégueulasse. Les mecs qui me remettent vue à l'envers, machin et tout. Non mais attends. Foutage de gueule. Le foutage de gueule, bordel. Depuis l'attaque. Tirez et restez mobile.
intérêt à se méfier de lui. Je vise la cible. Reçu 5 sur 5. Allez-y. J'abandonnerai pas. Bien joué. J'ai besoin d'un steam, BD. Je reconnais, ça ressemble au truc de... de l'épisode 3 où Yoda il est ici. Et c'est pas celui-là. C'est une plateforme. Comme il en existe plein. T'avais vu quelque chose? Joli. Des habitations qui... Non, j'ai pas fait ça. D'accord. C'est moi qui avais mal vu en fait. Non, pas mal vu. Pas vu du tout en fait. Pourquoi ils disent qu'il y a une tyrolienne ici? Et que j'en vois pas. Ça, j'en vois pas. Hein. Je sais pas.
Je ne suis pas fou. Ah si, elle est là, je l'avais pas vu. Alors, voyons voir. Ils disent que par là. Pile ce qu'il nous faut. Ah, il y avait quelque chose là-dedans. Nouveau matériel de poncho. Ah d'accord, c'est pour remonter. Ça lag beaucoup, dis donc. Ça sent comme... Ça vient d'où ? Il n'y a pas à discuter. Notre seule chance de survie, c'est de quitter Kashyyyk. J'abandonnerai pas les Wookiees. Si des combattants veulent rester, ils sont les bienvenus. Alors tu resteras seul. Soldats, en avant! Allez, on va trouver Tarful. Je savais qu'il était pas très gentil, Sugira.
Bien joué. Je veux un vrai combat à Jedi. Tu sais rien faire d'autre qu'esquiver ? Je vais t'achever lentement. On dirait que tu doutes. Lève-toi, bats-toi. Je t'aurai, Jedi. Debout, viens me... À l'aide, BD. Donne-moi du fil à retordre. Putain de merde! Désolé. Purée, ça m'énerve. Puis vont me remettre à super loin. Bon, au début. C'est super.
une nouvelle graine. Pourvu que Grise n'en ait pas peur. Cool. C'est quoi, c'est un raccourci? Il semble que cet endroit est sacré à leurs yeux. Cette plante diffuse une odeur de fruits pour tromper ses proies? Ça explique l'odeur de jus de Jorgan. Mais c'est pas rassurant. BD. Ah, il y a eu du... D'accord. Il y a eu une embuscade. Tu as déjà vu un endroit comme celui-là? Moi non plus. Des grosses boules, serait-ce une nouvelle mécanique ?
ce serait 3. Pour avoir plus de steam. Ah non, totalement votre jauge de force. Augmente le niveau de santé. Niveau de santé. Je vais me reposer. Voilà. Je suis venu ici et rien que pour un mob, il n'y avait rien d'autre. Ah oui, d'accord. Hé hey, BD, là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là? Que des araignées. Pourquoi il est descendu? Lui ? Salut !
Ah ouais, mais je vois pas ça. Par ici, BD. Ces arbres, je sens la force qui entoure ce lieu. Bon allez, hop, on y va, on fonce. C'est ici qu'on doit retrouver Tarful. Contente de te revoir. Je te présente le chef Tarful. Je suis en mission pour maître Eno Cordova. Il recherchait un artefact Zepho. Si on le trouve, on pourrait sauver les Jedi. Où Cordova a trouvé la sagesse, tu trouveras des réponses. En haut de l'arbre des origines. Il est immense. Je ne sais pas par où commencer. Eh bien, peut-être que tu trouveras un moyen depuis ses racines. Mais la plupart sont immergés. Il te faut un respirateur. Merci. Qu'allez-vous faire maintenant ? La seule chose qu'on puisse faire, nous battre encore. Bonne chance. J'espère qu'on se reverra. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et So ? On a eu, disons, un différend. Il pense que notre guerre est perdue. Et toi ? Je ne laisserai pas les Wookiees souffrir seuls. Et si So a raison ? Si Kashyyyk était perdu ? L'Empire repose sur la peur et l'indifférence. En faisant front ensemble, nous contestons son existence. Cette guerre est loin d'être finie. Mais elle vaut vraiment la peine d'être livrée, même si on ignore son issue. Comment es-tu devenue résistante ? J'étais topographe autrefois. Je parcourais les planètes et je cartographiais leurs formations. Ça a l'air sympa. J'adorais ce travail. Et puis la République est devenue l'Empire. Les pauvres sont devenus des serviteurs. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, alors j'ai rejoint la cause. J'aimerais que tout le monde pense comme toi. Garde espoir. Bon. Voyons ce que t'as trouvé.
Un Wookiee s'est abrité ici, pour pleurer la perte d'un ancien. Attends, c'est pas ici? Ah non, c'est là. Joli scan BD. Des vaisseaux clones. Même Tarful n'a pas pu les tenir à distance. Ils n'arrêteront que quand tous seront morts. BD, aide-moi. Je vais beaucoup mieux. Merci. Je sais pas, je l'ai senti. Ouais, fais-moi voir. Alors. Mécanique de l'eau. Et maintenant, la glissade. Je trouve ces choses terrifiantes. Wow, et bah dis donc, tu vas un peu fort. Super. Il s'accroche pas. Enfin, pourquoi il s'accroche pas? Ah.
Aidez-moi à le battre. Il est touché. Il s'est esquivé. Pas de panique, continuez. Un Steam BD. Repérez la position du général Nebuki. Approchez. Piste impériale. Allez, va jeter un œil. Voyons ce que t'as trouvé. Je le savais. Je le savais. Ah, il y avait quelque chose là-dedans. Je crois que l'Empire s'en serait pris à Kashyyyk comme ça, sans notre intervention. Les Jedi sont censés incarner l'espoir, mais j'ai attiré l'Inquisition ici. Mary et Tarful comptent sur moi. Est-ce que je les ai encore mis en danger ? Je pêche un peu point de vue santé. Ouais, je vais m'arrêter là. Merci à... Bon bah, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était cool.
Le seul problème, c'est qu'on fait souvent les mêmes planètes. On était sur Kashyyyk. Arrivé sur Kashyyyk, on a dû retourner sur celle d'avant. Et maintenant qu'on est là, on revient sur Kashyyyk. Donc ça, je trouve c'est un peu dommage. Mais sinon, le jeu est toujours, il me plaît toujours autant. Je galère toujours autant au niveau des combats, mais sinon, j'aime toujours autant. Donc, bah voilà, je vous dis merci d'avoir regardé ce live, et puis à bientôt pour le prochain. Allez, à ciao les amis.